Bonjour à tous, bienvenue sur Culture Gaming. On se retrouve à nouveau sur Animal Crossing New Horizons pour mon journal de bord. Nous sommes jeudi 21 mai, 18h10. Bienvenue à Nanajuichi. On démarre dans ma salle pêche, ma salle poisson, qui me tient à cœur depuis quasiment le début. Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer quelques photos de notre folle soirée d'hier. Alors Zabu, Hachiko et Kenny sont partis sur l'île de Runet et Nico pour faire une nuit des étoiles filantes. Regardez les petites photos souvenirs. Alors c'est Nico qui nous a accueillis puisque Runet était au travail. Nico, que vous connaissez peut-être sur le pseudo Papa Crux, puisqu'il est là toujours sur nos lives et qu'il joue à DBD avec Kenny. Et chez eux, regardez, il y avait Runard. Et j'ai pu faire quoi chez Runard? Acheter ça au-dessus de la porte. Alors, il va bien vous le montrer, dis donc. Le drapeau pêche, il est juste magnifique. Et il va trop bien avec le décor. Alors la soirée s'est un peu finie dramatiquement, dans le sens où Kenny a été éjecté de la partie et où nous avons perdu une grande partie de nos fragments d'étoiles. Mis à part ça, c'était un super moment et moi je vous dis un grand merci! C'était fantastique! Du coup, on peut sortir de la maison. J'ai énormément de choses à vous montrer aujourd'hui et ça commence par ici. J'ai changé la façade, la porte et le blason de la porte ainsi que la boîte aux lettres. Ça, je vais te changer régulièrement. Après tout, une fois que tout est remboursé, c'est gratuit. Donc moi, j'en profite. Et je la trouve super jolie pour l'instant, comme ça. Elle va bien avec les couleurs de... Voilà. Je la trouve super jolie. Zabou, elle est super contente. J'ai plein de choses à vous montrer. Il ne faut pas que je m'égare, que je vous spoil. Alors, je vais faire très attention. On va commencer par là. Là, il n'y a pas de gros danger. J'ai fait des... Oh, petite Misty Gris est en train de lire. J'ai mis des nouveaux pots. Et celui-ci. J'avais rajouté hier le noir. Donc j'ai mis celui-ci ici. Et là, dans l'espace aux anémones où j'ai un petit peu envie de les arracher, j'en ai mis un quatrième. Oui, vous avez bien compris à mon ton exaspéré que ces anémones n'ont toujours rien donné. Malgré le fait que je les ai fait arroser par quelqu'un d'autre, c'est pas grave. En tout cas... On dirait que toute ma petite ville est bien au calme. Hein. Regardez ma petite perle là, toute bien installée. Elle est choupette comme tout. Tout à l'heure, ici, sur la place, je suis assistée à un drôle de spectacle. Regardez, un mini concert. Et en plus, ma bichoune, elle avait des fans. Ça m'a trop fait rire, c'est la première fois que je vois quelqu'un chanter et que je vois d'autres villageois carrément assis en train de la regarder. Ça, franchement, j'ai adoré, j'ai trouvé ce passage trop marrant. Alors comme je vous ai dit, bah, beaucoup de modifications encore et toujours. Par exemple, Elisabou, elle aime bien modifier, c'est pas de sa faute. Hein. Je vous ai dit, l'île sera en perpétuelle évolution en fonction de ce que j'ai. Hier, on avait commencé un espace dédié aux planètes. Le voici. Terminé pour l'instant. Avec du coup, je l'ai élargi d'une case de ce côté-ci. On a toujours la table. On a la navette parce que hier, en allant du coup à la nuit des étoiles filantes, j'ai pu obtenir le plan chez Layette. J'ai un nouveau globe en bleu. Comme par hasard, ce matin chez ma Layette, il vendait le casque de cosmonaute. Et Kenny avait ce aéronaute en stock. Du coup, je l'ai piqué et il est revenu ici s'installer. Vous remarquez que du coup il n'y a plus de fossiles, j'ai été les mettre ailleurs. Ça c'est pas bien grave, il y a toujours des possibilités. Et je suis assez contente de cet espace, c'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé, mais du coup je pense qu'il va se compléter à l'avenir par des petites touches. Il sera peut-être encore éventuellement agrandi, je sais pas, on verra. Et je le trouve super sympa, avec les deux petits stands et tout. Mais Zabou elle s'est bien amusée ici ce matin. Alors comme d'habitude, il faut que j'évite de vous spoiler, il y a des endroits où je ne dois pas aller pour l'instant. Alors... On va passer par là. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de campeur. Sincèrement, j'ai pas eu le temps. La ville m'a pris beaucoup.
J'ai eu le tournage de Fossilia que vous avez vu ce matin diffusé. C'était compliqué d'arriver à tout faire. Et voici donc le nouveau stand à Fossil qui est ici, derrière les petites chaises de camping. Après, moi, je trouve qu'il va très bien ici. Il remplit mon petit décor qui est un petit peu vide, où il n'y avait que des fleurs. Je préfère toujours avoir des choses à la place des fleurs. Alors, j'avais commencé, effectivement, en Juichi avec plein de fleurs, puisqu'au début, ben, quelque part, vous n'avez pas grand-chose. Et au fur et à mesure, ben, je les remplace tout doucement, mes petites fleurs. Et ces stands à fossiles, j'en suis fan. Donc, je suis contente d'en avoir partout. Là, c'est celui que j'ai déplacé, donc qui était à la partie espace. Donc, je me suis dit, hein, pourquoi je ne vais pas les ranger. Il y a forcément de la place quelque part. On va la trouver, cette place. Je ramasse les coquillages en même temps. Ne m'en voulez pas. Oh là là, mais il y en a vraiment... Allez, on va s'arrêter au bar. Quelques instants. Parce qu'aujourd'hui, Zabou a continué à vouloir faire des cadeaux à ses habitants. Et elle va vous montrer un petit peu. Bah, ils sont pas tous super sympas non plus, hein. Regardez. Vous avez vu? Il y en a qu'un sur trois qui m'a donné un cadeau, c'est quand même assez honteux, hein, je trouve. Alors là, on est obligé de faire un petit peu un détour pour vous montrer certaines choses sans vous spoiler. Oh, mon petit Jeannot, il est assis au bord de l'eau. Alors, vous avez des incendies tout partout aujourd'hui. Hein. Je sais pas ce qui leur arrive. C'est peut-être le retour enfin du soleil qu'on avait perdu qui leur fait ça. Alors, pour ceux qui jouent au jeu sur télé, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il vous arrive que le jeu se mette à ramer à certains endroits, parce que moi, ça devient une catastrophe, en fait. Hein. Alors oui, je vous fais un grand tour, les enfants, mais je ne pouvais pas faire autrement, sinon je vous spoil toute la fin, et c'est dommage. Alors ici, ben, rien de nouveau. Tout se passe bien. Mes petits villageois sont contents. J'ai rempli tous les espaces. Les espaces de jeu, ben, vont toujours très bien, avec leurs petites bornes et tout et tout. Et voilà, on arrive à l'espace peinture. En allant hier chez Runette et Nico, eh ben, il y avait Runard. Et il y avait Runard avec une fausse toile. Bon, du coup, je l'ai acheté. Ça m'en fait une de plus. Elle est ici. J'allais pas leur voler les vraies toiles. Elle est ici. Du coup, il y en a déjà pas mal. On en a 5, plus la grande que j'ai dû ranger. Et la petite toile Culture Gaming qui délimite bien le terrain. Oh, il y en avait une magnifique, il y avait une Van Gogh avec des fleurs, mais c'était la vraie, et ça, j'aimerais trop avoir ce bouquet de fleurs, mais en faux, pour pouvoir l'exposer dehors. Je crois que si je la vendais, je serais capable de la mettre aussi. En tout cas, je suis super contente que cet espace, il évolue tout tranquillement, et je pense qu'il se développera encore, je réorganiserai peut-être différemment, il y a plein de possibilités encore. Alors ici, ce matin, pareil, je vais arroser les roses. C'est rien passé, mais après j'ai mes 6 roses violettes maintenant, donc ça me va très bien. J'ai pas eu de rejet important, mais j'ai eu ça. Et quelque part, ça remplace tout le reste. Ça y est, j'ai mon carré de muguet. Moi, je suis juste super contente. Je voulais ce carré de muguet. Si j'en ai d'autres, je les mettrai ailleurs, mais ce carré, je le voulais. Il est superbe. Je pourrais peut-être même enlever éventuellement ici le petit terrain et continuer à le mettre. Mais je suis contente. J'ai mes 9 brins de muguet, c'est trop beau. Zabou, elle est super contente. Voilà, donc ce brin de muguet, c'est cool. Le reste, c'est pas cool. Ici, il ne s'est rien passé. Ici, non plus. Autant vous dire que mes chrysanthèmes vertes, c'est pas pour demain.
Après, là, dans ces espaces-là, il n'y a rien de nouveau. On ne va pas traîner là très longtemps. Je vais juste m'asseoir ici parce que Zabou a deux petites photos souvenirs à vous montrer de Fossilia, où elle est partie en tournage aujourd'hui. Regardez. Et il y avait un sacré boulot. Pour ceux qui l'ont déjà vu ce matin, vous savez de quoi je parle. Alors, je vais descendre ici. Mais je vais m'arrêter là. Et je vais vous montrer en plusieurs étapes la refonte complète de cet espace, mis à part l'endroit où que, mis à part ce que vous voyez, tout le reste va être modifié. Alors je vais vous passer plusieurs petites vidéos qui montrent en fait comment j'ai démonté tout ça, et après je vous montre le résultat final. Regardez. Vous êtes prêts? On y va? Bon, on y va tout doucement. Oh, vous savez quoi? Je suis une vilaine. Je me rassois deux secondes. Cet après-midi, j'étais en visite chez Brexia, qui m'a fait découvrir sa ville et que vous allez très bientôt voir en vidéo. Je vous montre juste deux petites photos souvenirs. Ou une, je sais plus. Oh, j'ai plus de cerveau. Regardez. Allez. J'ai un peu joué trop longtemps avec vos nerfs, c'est pas très gentil. Voilà, donc j'ai retravaillé ici, donc cet espace. J'ai tout enlevé, j'ai remis que des hybrides orange, parce que j'ai envie de mettre des hybrides orange. Donc j'ai torchopé un petit peu à droite à gauche, il y en avait déjà pas mal. Et après, vous l'avez vu, tout a été vidé. Royalement vidé. Cet espace, il ramait au possible, et en plus, il était rempli de fleurs, et il me prenait une place de fou. Maintenant, regardez, Zabou, je pense que franchement, je suis super contente parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Je n'avais pas réussi à le faire, ni dans ma maison, ni dehors, ni nulle part. Et maintenant, j'y suis. Allez, on y va. Bienvenue au restaurant de Zabou. Oui, ici, il y aura un deuxième canapé dès demain. Regardez, j'ai un yucca avec un sol, pas du tout, avec un pot bleu. Et là, on a... Ouais, c'est un petit peu dur à passer. On a trois belles tables avec de la vaisselle terracotta. Tout dans la série bois et fer. J'ai mis deux fois la même chose parce que je n'ai pas énormément de meubles. Ici, je vous dis demain, il y aura un canapé un petit peu plus foncé que l'autre dans les bruns foncés. J'ai mis là un monstera. Et à chaque fois ici, j'ai mis un yucca pour délimiter un petit peu. Du coup, on ne peut pas s'asseoir en bas. Mais ce n'est pas un drame. Je pense que personne ne nous en voudra. Et Zabou, bah, elle est super contente parce que cet espace, moi, j'en rêve personnellement depuis tellement longtemps. J'avais essayé de le faire ailleurs, j'avais pas réussi à faire ce que je voulais. Et bah, aujourd'hui, il faut croire que c'était ma journée. Ici, donc, on n'a plus que la petite brouette. J'ai gardé les lumières de jardin. Il y en a un petit peu partout, si vous voyez. Non, c'est vrai que Zabou, on a dit qu'on ne pouvait pas passer par là. On a des petites lumières de jardin un peu partout. Et voilà, c'est fait. Zabou, elle a du mal à s'asseoir, mais Zabou, elle a son restaurant. Et je suis tellement contente. J'y croyais pas du tout. Et je me suis dit, voilà, une fois que j'avais tout enlevé, je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre là? Puis je me suis dit, lance-toi. Alors par contre, j'ai bouffé toute ma réserve de bois normaux. Il ne me reste plus rien, il doit me rester 4. Il va falloir que j'aille un petit peu travailler sur les îles. J'ai même dû voler un petit peu de bois à Chico, je vous dis pas. Mais Zabou, elle est aux anges. Parce que ce resto, elle le rêvait depuis si longtemps. Et comme quoi, bah, il aura fallu attendre d'avoir un peu plus de pièces de la collection bois et fer pour le faire, donc c'est fantastique. La console roule toujours un petit peu à cet endroit, mais moins. Et puis je vais au fur et à mesure remplacer tous les gros espaces fleuris, mis à part le tout en haut, par ce genre d'espace, parce que c'est plus vivant et que j'adore ça. Alors voilà, j'espère du coup que ben,
Ce nouveau journal vous aura plu, il y avait beaucoup de choses, j'espère que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié des petites choses, c'est pas grave, je vous les dirai demain. Alors je vous remercie d'être toujours au rendez-vous, passer les 60 journaux, c'est fantastique. N'hésitez pas à me laisser tout plein de commentaires, à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle installation. À laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, ça n'est pas encore fait. Et moi je vous dis donc à très bientôt, et amusez-vous bien.